Eh ben bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fringui. Aujourd'hui on est sur Empire Huon comme pour pas changer. On aime bien ça, moi je l'adore. Écoutez, on va voir comment ça se passe. On va voir où on en est tout de suite. Allez, on fonce. Eh ben écoutez des amis, le jeu a décidé qu'on n'allait pas sur la prochaine planète. C'est peut-être pas plus mal, parce qu'autrement on avancerait peut-être un peu, peut-être trop vite. Hein. Je sais pas quel épisode on est, parce que je fais des vidéos à l'affilée. Mais là, comme vous pouvez voir, le prochain endroit, ça sera là. Et là, il n'y a strictement rien. Il n'y a rien. J'ai déjà allé dans ce genre de truc, il n'y a pas de planète. Donc, la théorie, peut-être qu'il y a du matos. Là-bas dedans, c'est bien possible. Mais c'est de toute façon beaucoup trop loin. À 18,7. Moi, j'ai pas le carburant pour mettre pour aller aussi loin. On va appuyer sur le P, comme ça, ça va vous démontrer. Le maximum que je puisse faire, c'est 16. 16 à haut. Blindé à mort. Donc, je pourrais pas aller jusqu'à là-bas. Et ça m'emmerde de pas avoir pris ma carte, mes cartes. J'aurais pu acheter des lingots d'érythrium, des trucs comme ça, du zirconium. On peut en acheter, hein, y en a dans les shops. Pas des centaines de blocs. Hein. De lingots, hein, y en a quelques-uns. Mais ça peut être bien pour justement avancer. Cela, manifestement, si on va là, on sera obligé de ressauter sur une autre. Sur l'autre. Soit on pourra tracer sur la prochaine planète qu'on a besoin, qui pourrait être par là. Je sais pas si vous voyez si vous voyez le curseur, je sais plus, je crois que si. Donc elle pourrait être par là, mais ça veut pas dire que de cet endroit là on puisse y aller. Peut-être que pour y aller à cette planète là on pourra, faudra se passer soit par cette planète ci Arigopal, je m'excuse, et ça on n'en sait rien, faut y aller pour voir là pareil, ou alors par la station là aussi. Donc on est obligé de faire tout le tour, de toute façon on est obligé de... Soit on passe par là et on peut être cul-de-sac. Soit on fait tout le tour, on repasse par là, on revient par chez nous. Ainsi de suite, ça va faire une tonne de carburant. Donc je crois qu'on va s'essayer de se découvrir un petit quelque chose sur cette planète là. On va s'amuser un peu, on va essayer peut-être se faire une base s'il n'y a pas trop de tourelles. S'il n'y a pas de lune, il n'y a rien. Il y a un shop, mais j'ai pas d'argent, c'est vraiment bête. Donc je crois qu'on va visiter un peu cette planète, on va essayer de trouver une petite base, un petit quelque chose à péter là. En attendant que nos mineurs minent un peu, tout simplement. On va essayer d'éviter de se faire démonter, on va essayer de trouver un abandonné de quelque chose. Et puis voilà, on va rester par là, le temps que ça mine, et puis au retour avec le carbu qu'on a, on va s'arrêter sur toutes les planètes du retour pour récupérer tout le minage qui a été fait en cours quoi, au cours de ça. On n'aura pas tous les matériaux pour l'instant, on pourra avancer un petit peu. Et puis voilà, on verra ça. On n'est pas pressé, on est là pour jouer, les petits loulous, on est là pour jouer. On va retrouver des bases, il y en aura certainement, mais faut pas qu'elles nous pètent le vaisseau tout de suite. Donc le mieux c'est quand même de faire une sauvegarde tout de suite. Je perds pas de temps, moi si je me fais démonter, je peux repartir. Sans avoir tout perdu, parce que là j'ai pas de. J'ai rien là. Si je perds mon vaisseau là, je suis dans la mouise là. Dans sûr, j'ai pas de base, j'ai rien. Là, j'ai que dalle. Là, je peux recommencer. Le shop, je peux même pas acheter de... Les shops, on peut pas acheter de ça, on peut rien faire. Bon, on va essayer de trouver un petit quelque chose à castagner. J'ai enlevé le frein. Je l'ai enlevé. Non, il était pas enlevé. Enfin, si, il était enlevé, mais j'ai remis. Alors, le prométhium, c'est pas grave. On fait de la visite de la planète. On va voir ce qu'il y a d'intéressant. On va avoir une petite base, un truc désinfecté. Y a rien là-dedans. Y a rien. C'est beau, c'est déco, mais y'a rien, y'a pas de loot. Ou alors il y en a, mais j'ai pas trouvé encore. Quelque chose au nord. Écoute, j'ai attaqué un temple récemment. Ah bon, les loots, c'est vraiment pitoyable, quoi. C'est même pas la peine de. En plus, il y a 4 tourelles. Hein. Y a 4 tourelles dans sur ces temples là. Voilà, ça y a un tas de trucs. 4 tourelles sur ces temples, mais ça vaut pas le coup. Hein. Ça vaut pas le coup. Y'a quelque chose là-bas. Les drones ils sont au-dessus, c'est ennemi. Hein. Ça, il y a juste à regarder ça. Vous dites, hop, un ou deux drones au-dessus. Oh, bah là aussi, hop, on se casse. Allez, mets les gaz, garçon, mets les gaz. Très vite, très vite, très vite. Ça, j'étais pas loin quand même. Dès qu'il y a un drone au-dessus qui décolle de la base, c'est méchant, c'est du méchant. Là-bas aussi, il y a du drone juste à côté. Après, quoique celle-là, ça n'est pas une de. Pas une désaffectée, ça. Si, abandonné de réacteur. Celle-là, j'en ai déjà fait une, il n'y a pas si longtemps que ça. Un peu chiante. Mais intéressante. Mais un peu chiante.
qu'il y a un transport de troupes. De troupes. Là, il y a du bestiau, là. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Alors, on va se poser là-dessus. On va se préparer. On pourrait même partir de... Carrément, on peut même partir d'ici, en fait. On va se poser dessus. Il n'y a pas de canon, c'est nickel. Ça, c'est... Ouais, elle est pas trop mal, ce base. Elle est assez grande, donc... faudra facilement 30 à 40 minutes pour la faire. Dès que j'arrive à me poser, bien entendu. Je connais où est le cœur et tout, donc ça c'est déjà un truc que je connais. Mais il y a... Oh, je suis pas doué, moi, décidément. Moi, je sais pas pourquoi je vais me poser là, en fait, je vais me poser là en dessous. Oups, coincé. Ah oui, coincé, carrément. Bon, je vais me mettre au-dessus, ça évitera de me coincer. Fringui. T'es obligé... T'es mort parce que t'es coincé. Donc là, les amis, pareil, toujours pareil. Sauvegarde. On sauvegarde, on se prépare, et puis on y va. Allez, à tout de suite. Une, deux. Ah. Et ben voilà les petits loups, on arrive au bout de cette base. On l'espère du moins. On l'espère, on va essayer de récupérer juste notre petit stuff qu'on a laissé en crevant au moins une cinquantaine de fois, si c'est pas, plus. Si on fait très patience avec ce genre de base, faut être très calme avec ce genre de base. Parce que même si elle est désaffectée, c'est l'une des plus pourries que j'ai vues pour l'instant. Hein. Je les ai pas toutes faites, les forteresses, tout ça, mais ici c'est vraiment... C'est vraiment l'enfer, hein. Au bas mot, quoi. Alors l'une des premières difficultés, c'est ces saloperies de tourelles là, qui sont ici. On est avec l'interrupteur ici. Là j'ai bref, mort une dizaine de fois facilement. Temps de trouver la bonne technique. Faut aller vite quoi. Faut aller vite. Tomber au bon endroit, se cacher, envoyer le drone, ça va occuper la bestiole. Les machins, et puis bah vous allez vite éteindre l'interrupteur, bien entendu. En allumant, en passant par le passage normal. En passant par le passage prévu pour. Parce que si vous passez par le petit raccourci que j'ai fait, bah, vous pouvez éteindre et rallumer. Éteindre et rallumer les tourelles, ça marche toujours, tireront toujours dessus. Malheureusement. Donc, faut mieux faire dans le bon sens. Charger ces saloperies parce que manifestement on a plus de chances de se faire buter dans ces parties parce que les pétards se rechargent tellement lentement que on a vraiment du mal à faire ça quoi. On a vraiment du mal à faire ça. Donc le cœur il était là, je l'ai éclaté. Donc je suis venu récupérer mon stuff. Je vais charger tout mais j'ai chargé au maximum mon inventaire. On va essayer de remonter tranquillement. On viendra la démanteler, hein, ça c'est sûr, mais ça, je vais pas pouvoir tout récupérer sur le coup. On va pouvoir tout récupérer. Encore quelques ennemis qui traînent.
Mais vu le temps que je viens de passer pour essayer d'arriver ici, je vais pas insister. Je vais pas insister. Je vais récupérer tout ce que je peux là dans mon petit inventaire à moi. Pour l'instant. Hein. Je vais me mettre à bloc et puis je vais remonter jusqu'en haut. Mettre tout ça dans mon petit vaisseau. Puis sortir dehors, me faire crever par toutes les bestioles qui m'attendent, donc les araignées, les machins, tout ce que vous voulez. Mon vaisseau a été blueprinté, c'est bon. Je l'ai, il est prêt. Je vais me faire crever. Je vais finir à. Je vais arriver à. Je vais arriver donc. Je vais demander de respawner dans ma base, sur ma planète, comme c'était prévu. Et puis. Et puis bah voilà quoi. Et puis je crois qu'on va plutôt se faire crever par là parce que remonter là en haut ça va être compliqué. Quoi qu'il y ait des raccourcis, un tas de trucs. Je sais plus. On va essayer d'y aller, je sais qu'il y a encore des spawners, encore deux trois bestioles. Je sais pas si ma tronçonneuse elle est là, ma tronçonneuse elle est là, mais est-ce qu'il y a encore du carbu? Parce que souvent les petits loulous, c'est quand même le plus simple, c'est de les ferrailler à la tronçonneuse, hein, toutes ces saloperies de bestioles. Pas de perte de temps pour rien à essayer de les flinguer avec 40 000 tonnes de munitions. Vous les fumez, vous les coupez, vous les découpez, vous les massacrez, vous faites ce que vous voulez. Je suis un peu vénère là, parce que j'ai passé un temps là, ça m'a fatigué là, hein. Je suis mort une cinquantaine de fois, ça m'a. Pouf. Je suis bon là, je suis au bout là. Donc comme je dis, ben voilà, vous les tronçonnez gaiement, vous remontez, on va remonter jusqu'en haut. On va remonter jusqu'en haut, on récupère notre maximum de stuff. On reviendra récupérer le reste. Cette base elle est raide. Là j'ai pas pris mon scan parce que j'ai pas envie. Là on revient au départ de la zone. De la zone, elle est où? Il y a des pièges un peu partout ici, ouais, du style là. Oups, oups, oups. Voilà, c'est super, on s'est cassé la jambe comme par hasard. C'est toujours la même merde ici. Si on se pète pas une jambe, si on se pète pas la jambe au moins 52 fois, on est vraiment très fort. Il y a des pièges partout, comme vous pouvez voir, il y a des pièges partout. Oui, j'ai la jambe cassée, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc on va refaire le trajet. Je connais plus tous les pièges partout. Allez, saute. Ce jetpack, c'est vraiment une dauperie, c'est quelque chose de terrible ce truc. Donc quand il y a des petites coursives, bah faut pas s'étonner qu'il y a des pièges. Donc c'est pour ça qu'il faut sauter, passer par les côtés, si là, machin. On va trouver la sortie, on va repartir. Passer sur les bords ici. Il y a des spawners, là on va passer par là. Hop, 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 hop. Et voilà, t'es pas encore mort, fringui, c'est étonnant d'ailleurs. C'est étonnant. J'ai presque envie de crever là, en fait. Là, je suis désespéré là, les amis, franchement, je suis désespéré. Ça pour fusil à pompe, une tronçonneuse et deux, trois merdes, quoi. Et on a encore. Allez, le putain de jetpack. Désolé, je suis un peu vulgaire, mais là, je suis vraiment fatigué là. C'est pas bien, hein, c'est un petit let's play tuto pour ce jeu qui est sympa. Mais parfois, il peut vous fatiguer. Un putain de piège. Ça peut vous fatiguer. J'aurais pris mon machin, j'aurais fait des trous, je serais passé au travers. Là, on va essayer de se la jouer finos ce coup-ci. On va éviter de tomber dans le trou. On va faire. Voilà. Il suffit d'y faire ça progressivement. On va passer par là. Dégage, si je peux pas rentrer par là, moi je passe, c'est pas un problème. Mon stuff il est pas tout à fait plein, donc on va finir de le remplir avec tout ce qui traîne là par là. De toute façon, on va démanteler le reste à l'occasion. Quand on reviendra chercher notre vaisseau, avant toute chose, on ira quand même faire un saut quand même à l'extérieur dans l'espace pour voir si c'est débloqué. Mais je suppose que j'espère que non. Là, je viens de passer, je sais pas combien de temps à péter cette base pour entrer. Et c'est pas le moment que le jeu me dise oui, mais Frankie, ça marche hein, maintenant, tu peux repartir de l'autre côté. Puis là, manifestement, je suis obligé d'envoyer un email
aux créateurs du jeu, quand il y a des bugs, je vais leur dire que va falloir qu'ils règlent ça rapidement parce que faut y arrêter. Bon, trêve de bavardage, hein, trêve de plaisanterie. Bon, à part mettre péter la jambe, ben, je suis tout content. On va remonter. Je sais qu'il y a encore un scorpion à la con qui traîne, ça je le sais. Je vais pas tout fouiller, hein, j'ai pas le temps, on va pas perdre trop de temps. Là, tout est ouvert, on va refaire tout le tour. Vous aurez l'occasion de voir là. Le tumulte pour arriver jusqu'à au centre de cette base. Elle est quand même balèze. Il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup de tourelles, il y a beaucoup de tout. On a le temps de crever de nombreuses fois. Et il y a quand même du loot quand même important, parce que c'est vrai qu'il y a pour une base aussi pourrie, faut au moins qu'il y ait quelque chose. Là, il y a les araignées qui paraissent de temps dehors, comme ça vous pouvez voir, c'est les caches que je remplis. Il y a des trucs cachés là-dessous, là derrière. Et se casser la jambe, c'est vraiment le truc le plus déprimant qu'il puisse avoir. Déjà, on court pas vite, quand on court, bien sûr. Mais quand on se casse une jambe, alors là, on a le temps de discuter avec les amis, quoi. On a le temps de discuter avec les amis. Mais bon, c'est pas grave, on va arriver au bout, là. On va arriver à nos trucs de toile qui sont là, d'accord, on est nickel. On a récupéré des trucs parce qu'il y avait des tas de munitions, il y a un tas de trucs, ça, j'avais vidé. J'ai réussi à, enfin, j'ai eu du mal, hein, franchement, à récupérer le news. Le néodysium pour pouvoir faire enfin mon blueprint. Enfin pouvoir faire mon blueprint. Pour pouvoir revenir chercher mon vaisseau. Ne despawnera pas, les ennemis ne le détruiront pas. Par contre, ça aurait été une base. Par contre, hein, je m'excuse. Je sais pas ce que ça va donner, mais je sais pas ce que ça va donner. On va crever là et puis on va respawner à notre base. Là, on va faire popper notre super bateau, super mineur MK, je sais pas combien. Et après, on verra ce qu'on fera. Alors, je vous passe, on va se passer ça là tout de suite. On n'y est pas, on est dans pas longtemps, donc on va se dépêcher un peu là, on va mettre les gaz, hop, hop, hop. Frankie, poser tout le matos dans le vaisseau. Et joli comme ça, une jolie petite couleur, hein. Une jolie petite couleur. Et puis on va découvrir mon nouveau petit mineur. Enfin mon nouveau, c'est un ancien. Maintenant j'en ai trois ou quatre versions, c'est toujours à peu près les mêmes. Il me semble que je pourrais, de toute façon, je peux docker un vaisseau minimum. Si on peut pas, on démontera deux trois tourelles, c'est pas un problème. Mais il peut y avoir aussi deux vaisseaux. On peut docker dessus. Je peux en mettre un dedans, dans certains des modes, dans un des modèles, mais lequel je sais plus. On peut en mettre un dedans, puis on peut en mettre un dessus. Donc au pire, je peux avoir les deux, je peux avoir mes deux, je peux avoir le très long. Bon, alors on arrive juste sur la base. Pour avoir le très long, celui-ci donc, et l'autre chasseur blindé. Il s'en va? Pourquoi tu t'en vas? T'étais resté coincé tout le temps, puis tu t'en vas maintenant. Bon, pourquoi pas, si tu sais, si t'aimes pas le coin, pourquoi pas. Bon, c'est quand même une sacrée base, il y a du super loot, hein. Je vous dis pas le contraire, mais alors, je vous le déconseille tout seul, quoi, ou alors, voilà. Faut être patient, en évitant de s'accrocher comme un gros gland dans ces putains de structures à la con, là. J'aimerais me poser et m'en aller. Parce que j'ai donné assez pour cette base aujourd'hui. On va se poser. Voilà, on se pose correctement. Là, ça a docké, comme vous avez pu voir, ça s'est fait tic-tic. Ça veut dire que ça s'est posé correctement. On est bien à plat, sur la plateforme. Donc le vaisseau est éteint. Je vais foutre tout ce que j'ai. J'ai tout à fait rien du tout dans mon inventaire, donc c'est très bien. Fermer ça. Bah, pif pouf. Personne ne viendra me le voler, c'est ça qui est bien. Personne ne le foutra en l'air parce que. Parce que. Je sais pas quoi, le jetpack il se désactive quand on est par là. Ah, une araignée! Ah, oh pitié, pourquoi? Vas-y, bouffe-moi.
Et ouais, il y a que les tourelles qui peuvent nous péter votre vaisseau. Les tourelles, c'est vrai, vous péter le vaisseau et votre gueule aussi. Mais s'il n'y a pas de tourelles, votre vaisseau bougera pas, les tourelles non plus. Non, l'autre là-bas, tu veux peut-être que je vienne te le chercher. Bon, on va aller le chercher parce que manifestement, hein, les araignées, ça suffit pas. Ah, il y en a deux. On va pouvoir me faire ma fête. Aïe, oui. Aïe, donc qu'est-ce qu'on a comme ennemi? On a ce genre de gros truc là, qui dégueulasse. Et les araignées, par contre, ils mettent du temps dessus. D'habitude, j'ai autant de mal à crever. Mais là, manifestement, ils ont un peu de mal, hein, ils sont nombreux, mais. Je suis coriace, hein. Bon, je pourrais déjà purger mon armure aussi. Je peux le laisser dans le vaisseau. Ah oui, tout est. Ah oui, voilà. Bah là, je suis irradié, morsure vénineuse. Oh là 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 là, ça va être bon, là. Là, ça va être terrible, ça va être horrible. Je vais crever comme un pauvre. Une pauvre fringuette, hein. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Eh ben, dis donc, c'était long, hein. D'habitude, je me fais buter bien plus rapidement que ça, hein. Et là, pourtant, j'y vais volontairement. Enfin, bon. Je m'excuse. On est enfin arrivé, on est enfin mort. Enfin, on est mort. Passons, je voulais bien. Et maintenant, bah écoutez, au lieu de se faire apparaître près du point, vous êtes mort, on va aller sur Gat. Paf. Base principale. Bon, par contre, il faut peut-être du temps pour qu'il charge. Bon, il met du temps à charger, hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec leur mise à jour, mais. C'est étrange. Truc sympa, joli, c'est peut-être bien possible, mais c'est long, hein. C'est quand même super long. Donc bon, on est retombé à notre petite base. Donc là tout de suite on va faire une sauvegarde. Hein. Pas perdre de temps. Ça va pas, hein. On va pas y passer l'année. Hein. Les sauvegardes sont longues, hein. Bon, peut-être qu'il commence à avoir beaucoup de trucs en route, hein. Il commence à avoir beaucoup de trucs en route. Bon, ça c'est bon, on s'en fout. La chose qu'on va faire, on va faire dodo. Voilà, on a fait dodo. Et on va enfin se faire sortir notre super. On va les faire popper sur le toit. On va faire popper sur le toit. Je comptais le mettre là en haut en fait pour s'il y a de la place. Et puis pourquoi pas quoi. Alors allons-y les amis, on va se sortir enfin en passant là. Celui-là il vaut de l'or, celui-là je vous le dis, il vaut de l'or, hein, le mineur. Là. Mineur V10. Là je peux vous dire, il vaut de l'or. Allez, on est prêt. Allez, boum. Oh là 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 là. Par contre là si je le pose là il va tomber. Donc on va se mettre un peu plus loin. Ok bien, on peut le poser là, c'est ça qui est cool. Je pourrais même le poser là. Je vais peut-être même le poser sur la plateforme. Je vais pas le poser sur le toit en fait. Je vais le poser là. Le jackpack, cette chose est encore désactivée, bien entendu. On va faire une jolie petite plateforme, on va le poser sur la plateforme. Par exemple ici. Paf. Et boum. Allez, on va faire une petite visite, on va peut-être manger un petit quelque chose. Hein, quand même, parce que là, on commence à avoir un peu faim. On va se soigner un peu. On va réparer mon armure, pas je sens qu'elle est pétée. Alors là, ça c'est sûr que. En plus c'est une quoi? C'est une médium. Hein. Ouais, c'est une médium. Il me semble que j'en ai trouvé une lourde. Hein. La base juste avant qu'on s'est emmerdé. Que je me suis emmerdé à looter quoi. Par contre, j'ai envie d'aller voir ça. Maintenant que nous sommes là. J'espère que c'est pas bloqué. Hein. Là non. Là non. Là non. Parce qu'on peut pas, bien sûr. Là, on peut pas, mais je vois pourquoi il y a la flèche verte. Ça non. Bon, de ce côté, on peut aller des deux côtés, donc c'est très bien. Bon, pour l'instant, je crois qu'on aura plus trop de soucis, parce que là, on a quand même. Une jolie charrette qui vole, je peux vous garantir qu'il est pas mal ce petit truc. Ah c'est le... Ah ouais c'est le tout premier, je crois que c'est quasiment le tout premier. Ouais c'est le tout premier à deux plateformes. C'est le tout premier que j'ai fait je crois. Les petits loulous c'est le tout premier, je l'aime bien aussi. Ils sont tous à peu près bien, ils sont tous pareils. Ils sont blindés bien entendu. Il y a des lumières. Je l'avais shadé celui-là, hein. J'ai peint, j'ai mis voilà, j'ai mis des trucs dessus, c'est joli, il est beau. Et sympa, celui-là, c'est le premier. Les autres, il y en avait des plus larges, des plus plats, d'essayer de faire un tas de trucs. Bon, là, par contre, je me suis un peu stationné un peu comme un
Ma sauvage. Ma sauvage. Il y a de la loupiote, il y a tout là-dedans, il y a tout. Alors nous, là, nous avons visite guidée de notre mineur MK, je sais pas combien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a notre noyau qui est ici. Il est pas très bien, parce que là, il peut se faire péter assez facilement. On a nos propulseurs qui sont ici, de latéral, on est d'accord, de copilote si on veut bien. Donc une rampe de chaque côté, il n'y a pas de blême. Hein. Un ventilo pour l'oxygène, bien entendu. Cuisine, frigo, lit pour passer la nuit, pour réparer. L'oxygène, il y a tout, hein, c'est comme une base. Pour soigner. C'est bizarre, pourquoi ce coffre il est à travers le toit? Bref, on verra ça. Du chest à gogo, parce que quand on va miner, je vais vous dire que là, avec ça, on n'est plus obligé de revenir sur la base. Hein. Le seul truc qu'on n'a pas dans ce faisceau-là, c'est les cultures. J'avais tenté un essai, mais c'était pas très viable. Par contre, ce coffre, il va passer très le toit, il est pas bon, faudra que je le démonte. C'était pas très viable. Donc là, à l'Europe, de décharger. Moi, je m'excuse hein, pour décharger. Qu'on revient à la base pour miner, qu'on a fini de miner et tout, bref. Pour décharger. Ça c'est pas très blindé, ça c'est pas tiré, il est pas mal mais sans plus. Là c'est le minage avec nos tourelles de minage. Là, nous avons notre constructeur avancé, bien entendu, tout est avancé là-dedans. Du chest à go, hein. Là c'est vraiment, on va avoir de la réserve à bloc. Je crois que c'est le tout premier modèle parce que j'avais pas trop été organisé au mieux mais pas aussi bien que ce que je fais maintenant. Notre deuxième coffre de minage, parce que le minage ça peut aller très vite. Chaque case c'est un item, hein, donc c'est à plusieurs items. Il y a beaucoup d'items, c'est la merde, on n'a pas assez de place. Donc là nous avons notre moteur de distorsion, notre réserve de moteur de distorsion, notre petit générateur d'ailleurs, il est petit celui-là je trouve. Il est étonnant. Peut-être que j'avais pas assez de loot pour mettre. J'avais pas assez d'argent, j'avais pas ce qu'il faut pour. C'est le tout premier, hein, c'est un espèce de prototype. Pour c'était le tout premier, voilà. Ah oui, donc le chest est bien normal, il y a aussi une ouverture au-dessus, d'accord, il est pas mal. Oui, il est pas mal, c'est un joli petit prototype, c'était le tout premier. Il y a bien blindé, donc il y a de la tourelle dessus, bien entendu. J'ai pas de munitions. Pour tout cela, donc ça c'est flag, ça c'est je sais pas quoi. On a donc une petite plateforme pour atterrir ici, pour un petit vaisseau. On a l'ancien bloc de réparation, maintenant il marche plus vu qu'il y a. Il nous faut une console, donc là c'est d'autres chests. C'est trappe, ok. Et tourelle de minage. Donc là il y a de la loupiote. Donc nous avons une tourelle de minage ici, une tourelle de minage ici. Radar pour capter les méchants et tourelle de minage ici il me semble. Il y a aussi une tourelle de réparation, tourelle outil. On a une tourelle outil qui est celle-ci il me semble. Tous ces minages, je sais plus, mais je sais qu'il y en a une sur ce vaisseau là. Donc franchement c'est le tout premier, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus dur. Mais il est pas mal. Avec ça, on va déjà pouvoir voyager. On va pouvoir déjà voyager avec celui-ci. Donc on va faire un peu le plein de tout ça. Donc là, on a une rampe pour descendre. Il y a des loupiottes, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des loupiottes pour savoir où on va. Et ben voilà, chers amis, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et merci beaucoup. Merci pour Fringy et sa chaîne. Et puis on se retrouve au prochain épisode. Ou sur une autre de mes petites vidéos bien cool. Allez, salut à tous.